Poursuivons cette édition sur une note culturelle. La présélection de la 4e édition de Miss Ivoire Culture s'est tenue le 26 novembre 2022 dans la région de Lagnébitiassa, précisément dans le village de Guiessidjé. Miss Ivoire Culture met en exergue le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette année, les grossesses en milieu scolaire. Les candidates de la 4e édition de Miss Ivoire Culture seront en attraction dans le village enclavé de Guiessidjé, village environnant de la ville d'Agboville. Le choix d'un village pour exprimer l'essence de ce festival, un festival qui présente les atouts culturels et traditionnels de la Côte d'Ivoire. Ce concours va rassembler des candidates de diverses régions du pays. Il va relever non seulement leur talent culinaire, mais également la riche diversité des mets ivoiriens. La spécificité de ce concours qui nous a vraiment, accrochés au bureau, c'est le fait de valoriser l'art culinaire. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. On a une convention qu'on appelle la Convention du patrimoine culturel immatériel qui promeut tout ce qui est expression culturelle, tout ce qui est identité culturelle, tout ce qui est art culinaire, identité culinaire, tout ce qui est identité vestimentaire, tout ce qui est lié au savoir-faire traditionnel. Le concours Miss Ivoire Culture va se dérouler en trois phases. Les présélections, l'étape du concours culinaire dans le village de Guiessidjé le 26 novembre et la finale le 17 décembre. Ce concours se veut un facteur de rapprochement des peuples africains. Il veut participer à l'intégration africaine, revaloriser et promouvoir la femme africaine et enfin redéfinir les critères en matière de normes de beauté africaine. Tout ceci par la sensibilisation et la vulgarisation.